Est à Saint-Christophe, sur la Via Toulousaine que vous menez. À Caupoli Village de Rau organise d'actions culturelles importantes tout au long de l'année. Elles sont que nous mène ouais ou rencontre d'une famille couvrée et obre un car permettre en évidence tradition et culture occitane. Que siège Louis Gross, l'oreille grand. Affectionna qu'a dû d'être force aux arènes. Ou Jean-Louis Sonfil, qui fut président du Club Touring et de la Cave Coopérative. Mais il n'est pas là qui, car vous parlez politique, que ça baisse que j'ai. C'est un nom bien franc. Mais les impôts qui sont en République, faire la casse au cœur blanc. Jusqu'à Bertrand Gros, cobre art per le retour de l'Occitan au village, menèrent ou tout d'action pour mettre en valeur le patrimoine local. Est-ce à un café Occitan que nous retrouvons un code Elisabeth et Luc Monnier dans ce territoire où la vigne seigneurie encore. Van ressaupre un grand nombre d'affugas dans un stau. Les activités que nous faisons tout au long de l'année, c'est des cours d'occitan qui sont à 5h30 tous les mardis, toute l'année, sauf pendant les vacances scolaires, qui sont données par notre professeur local, Jean Simard. Donc une quinzaine de personnes se retrouvent tous les mardis pendant une heure pour parler sur des textes en occitan de toutes les régions. La Baragogne, l'animal totémique des Saint-Christophe. La pichotte baragogne, la baragognette, est nascule pendant la nuit. L'idée est venue des enfants, avant tout. C'est eux qui nous ont demandé de faire une baragognette pour qu'ils puissent la porter. Donc on a dit, ben, puisque c'est comme ça, on va faire des baragognettes individuelles. Donc un collègue a fait l'ossature, on l'a couverte de grillage, la femme du président a fait la tête, moi j'ai fait la robe, voilà. Et on n'a pas oublié de lui mettre des petites dents. Le café de Yoy que Fazen est organisé par l'association de la Baragogne. Pour un café, surtout à Saint-Christophe, pour nous, n'avons pas, il y a des temps, et surtout pour donner la possibilité à le monde d'aussi parler la langue nostra. De fait qu'il y a de la parla. On avait fait, hoy, à cette soirée, on faisait une, qui voulait l'animer pour nous montrer que c'est une capacité de parler, de rire, de canter dans la langue nostra. Dans le domaine de la côte, sur le plan astéo et dessus la vaunage, est dans un domaine viticole qu'on a entamena la serrade du café Occitan, en Gimbra par l'association Les Amis de la Baragogne. On a commencé à l'espace Gare, on a fait une autre à la Bruyère et une crèche de Lazarène. Est-ce le moment convivial que se prépare? Un café, comme nous faisons ici, avec des gens qui viennent parler de la tradition, de la culture nostra. Et quand nous comptons des historiettes, le constat convivial est fort important. C'est-à-dire que faisons toujours attention à pas mettre d'effort le monde qui ne parle pas la langue. De faire des revirades immédiatement pour que des gens se sentissent d'effort. Donc, merci au domaine Moignier, à Elisabeth et à Luc de nous accueillir dans leur maison. Madame Dufour et les élèves d'Ambrousson qui sont présents aujourd'hui.
les amis de Van Darbe aussi, et après les autres c'est Cinquième Soleil, ça fait toujours plaisir de voir les Milois aussi. On a un mois de juin très important pour l'association, avec des grosses manifestations, et le clou des festivités sera le feu de la Saint-Jean le 24 juin. Aujourd'hui le Café Off sera animé par les élèves du cours occitan. Venu depuis 12 ans au Café Occitan. C'est un mouvement fort agréable et périlleux. Faire des quais, c'est cambiant et connaissant mieux la langue nostre. En incantant une chanson traditionnelle de provençal, qui est un maridage d'un papayou. Papayou, mon ami, papayou, maridoti, papayou, mon ami, papayou, maridoti. Les anciens seigneurs du sang, je pense à tes maîtres en mainage. Papayou, mon ami, papayou, maridoti. Et vous êtes par là occitan tout au monde en France, Aro Perrier, vous êtes une langue de situation, c'est-à-dire, parlez pas occitan à l'oustal, par contre, per campestre, à la bigno, à la casse, à la pesco, à l'orte, Aro la langue, la maille en pluyado. Aïe, après la langue, en existant par là le monde, autour de Yeu, la langue occitane m'agrade parce que tout à coup, permet de s'apprêter aussi ces bibliothèques à ban. Et ce qui compte, c'est de tourner bien de lente et nous permet de, en quelque sorte, s'apprêter d'un tébénin. C'est le professeur d'Occitan au collège de l'UNEO d'Empey à Kestan en septembre, à Banserie à Béziès, et à qui fait un travail avec les écolans d'Ambrosum, qui sont venus à Café Occitan pour veiller un peu l'Occitan en défaut de l'école. Des EUH testent des cigales sous une alignade Jos Misiols. Ouziries, une brousimendale, est-ce le brut d'Addet Sufiols? À quelques scris ou douces ménettes, s'applique à ben à son trabal. Espia sortit sa linguette, on dirio la creste d'ungal. Loukez au fou, mais faille maille d'une, son vésine et son pot capute. À quel est toujours d'une la lune, demande à blanc, vous reste une bleue. Mas tout un abem qui comme à dire, mais ce n'est pas jess au fou pougvao, une effin des ma dérir, serit spa qui comme ifa ou mao. C'est des travers et ma bounette, à comme arrive pour souven. Saclatoun derrière ses manettes, comme derrière un paravent. Mas, coura a besoin d'être d'une, toutes ces levants d'une seule vanne. Yeu, 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 que de m'entendu dos, vezets, à qui mes escoulants. Edmond Tessier. Oui, ben, il y a des escoulants qui sont venus à qui, qui ont vu des mondes d'une autre génération qui parlent la langue, et pensent qu'à quoi est-ce. Force au plat pour elles de veiller la langue qui existe en quart et qu'elles sont récupérées par le brevis col. Nous autres, comme le soleil, avec une pesca à la lune sera un chalo, des liens qui seront égales, et d'aller une petite pesca en un magané trauca. Des devignoles, comme on veut dire une, à passe d'une cam. Au corps des cambres en cambres. Des caisses. Des caisses pour ouest. Les scoubes. Les scoubes. Alors, les scoubes en français, un seul mot. Allez. En occitan, une escoube, une balaccio et une engagnero. Les scoubes. La balaccio. L'engagnero qu'on utilise spécialement pour ramasser les graines. Mais prononce. C'est pauvre le français. On est porteur de projet Total Festum. On a un gros programme. Toutes les informations, vous les avez sur notre compte Facebook.
Donc là, vous tapez les amis de la Baragone sur Facebook et vous avez toutes nos animations. Sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à labaragogne@gmail.com. Les cafés occitans est une initiative fouette intéressante pour des récampes des mondes d'origine diverse. Et c'est fait dans des lieux belles, mais du beurre qu'un d'autre isendré. Et donc les gens ne sont pas rébutés éventuellement par une soulénita ou un lieu qu'ils semblent pas pour elles. C'est fin de l'intimité des coquillages dans des cafés et des serres, ce qui est encore plus intime, c'est fait dans une stade d'une vigneron. Donc il y a une custa familiale, réception amicale, c'est dire que c'est en famille, quasi en famille. Il y a une force agradable à cette formule, que c'est le premier coq qu'elle avait, et un coq d'une particulière. Alors, dessert, c'est le cercle occitan de Saint-Christophe, que les gigues détestent, il y a des volontaires, d'une, il y a un peu l'outrac, mais je crois que c'est une bonne cause de se mandat à l'aïg devant tout le monde, et pour donner que mai l'envie de parler, de s'être levé l'ancien de parler en public. Je crois qu'il faut toujours se mandat à l'aïg pour progresser. Troubarès, le programme RIC du Total Festum des Saint-Christophe 2017, sur le site La Baragogne. Et veillerez que l'Occitan est vieux ici. Une serrade belle, pleine d'amista conviviale. Et un grand merci au Domaine Lacoste Monnier qui nous accueillait. Ar, l'agneau pour Davala. Le mot qui m'agrade le mai, que préfère, est Strambord. C'est Stramborda, et ce qui compte est fabuleux. Aime pas le mot, le verbe, c'est taïsa. Mon code de corps est de tourner à Sanguien, le désert. Parce que vous voyez ici la rasigo de ma terre.